Merci Seigneur. Merci pour présence sous Seigneur. Merci pour présence sous Seigneur. La prière de nous, nous va écouter la parole de Dieu avec frère Jean-René Romain. Après tout campé. Avec frère Jean-René Romain. Sauvé à bon Dieu béni nous. Pendant que vous campez, vous avez voulu vous avec nous dans Exode 40, verset 16, pour arriver dans verset 38. Exode 40, verset 16, pour arriver dans verset 38. Moïse te fait tout ça, Seigneur, te parle l'autre fait. Oui, il fait tout bagage, Jean-Seigneur a demandé là. Sous le premier jour, premier mois, dans la deuxième année, il y a comme étant là. Moïse fait comme étant là. Il mettait six points dans la position. Il posait l'encadrement. Il montait le train dans la place. Il dressait le poteau. Il ouvrit trois temps là sous le cas là. Et bien, il mettait trois titans en haut, le Jean-Seigneur de Babylone fait. Il prend roche contre il mettait dans la boîte là. Il passait le manche dans la bague et puis il mettait l'ouverture en haut boîte là. Après ça, il portait la boîte contre en dedans là. Et puis il montait le rideau. C'est comme ça qu'il cache la boîte contre la dans la place, dans le temps de rendez-vous. Sous notre tente là, pas de rideau. Les rangés peignons bien rangés sous table là devant Seigneur. Jean-Seigneur de Baye Moïse l'a fait là. Après ça, Moïse mettait lampe 7 branches là dans le temps de rendez-vous sous le temple là en face de table là. Les rangés de lampe devant Seigneur, d'après l'ordre Seigneur de Baye Moïse. Li mette l'autel en loa dans le temps de rendez-vous devant le rideau. Li fait bouler l'encens senti bon sous lui. Jean-Seigneur a débat Moïse l'autre fait. Li monte le rideau côté pour passer entrer dans le temple. Li mette l'autel pour bouler le berlio offrir devant côté pour entrer dans le temps de rendez-vous. Après ça, li prend le berlio offrir, li touye yo. Les boulets sous l'autel là, ensemble avec l'autre offrande, Jean-Seigneur a débarré l'autre fait. Les mettez bassin dans la place qui n'a mis tant de rendez-vous avec l'autel là. Et puis les mettez de l'eau là-dedans. Moïse, Araon, ensemble avec petit Araon, lavez les mains et pieds dans le bassin là. Depuis avant d'entrer dans le de rendez-vous, depuis approcher dans l'autel là, yo te lave men yo ak pye yo, Jean-Seigneur a te bay Moïse l'autre pour yo fè ya. Après ça, li monte galerie a fè ronde tant lan ak l'hôtel la, li mette rideau côté pour yo passe entre dans tant lan, c'est comme ça, Moïse te fin travay la. Nyaj la couvri tant rendez-vous, et puis lumière présence Seigneur a plein tant lan. Moïse pas capable entre dans tant rendez-vous, parce que l'image là est resté en place en haut temple là. Et puis la lumière présente Seigneur a été plein temple là. Pendant tout le temps, mon peuple Israël a voyagé, c'est seulement l'image là levé sorti en haut temple là, il a été dérapé. Mais si l'image là pas levé en haut temple là, il a pas parti. Il a été dans le jour que l'image là est levé. La journée, il y a le Seigneur qui était en haut de temps, mais la nuit, c'était un petit fait tout le peuple d'Israël a été éclairé dans le nuage là. C'est comme ça, ça a passé pendant tout le voyage là. Parole du Seigneur, tout le monde est béni. Merci, Père Jean-Louis. Et maintenant, si vous avez suivi le lecture, bon Dieu, nous avons donné tout le bagage. Bon Dieu qui contrôle tout le bagage. Nous n'avons pas besoin de faire quelque chose. Bon Dieu qui contrôle tout le bagage. La journée sous compte bon Dieu, à soi sous compte. Nous n'avons pas besoin de faire quelque chose. Nous prions. Nous
pouvons prier le Seigneur. Nous pouvons demander tout le monde qui nous a fait prier ça pour nous, Seigneur. Dans le jour où nous sorti pour nous inviter les gens pour nous venir dans ce service-là, il y a un monde qui peut dire mon bagage qui peut attirer l'attention. Mais ça veut dire, frère Nathan, Pinga, vous mettez un prédicateur qui vous convainc nous, non? Nous, ça s'est tombé là? Nous ne pas comprendre ça. Dire. Avec le moulin, il y a des lois, il y a des endurcis, il y a des parler, il y a des gens qui connaissent la puissance qui est dans l'église là, il y a des gens qui connaissent la carrière là. Eh bien, nous allons demander, mon Dieu, pour que mon Dieu touche le cœur. Mais quelqu'un qui dit, quelqu'un qui même le temps de bagarre, touche le cœur, il ne peut pas arrêter, il ne peut pas sortir. Nous allons demander, mon Dieu, pour que mon Dieu saisisse mon Dieu. Mon Dieu, pour ne pas perdre. Demandez mon Dieu pour faire ça. Et pendant que vous avez prié, la côté où vous êtes, ce fenêtre a venu prier à votre voix dans le micro. Dieu qui est incomparable, Dieu qui n'a pas ton cours, qui n'a pas jamais gagné ton cours. Non? Avant ça, Seigneur, que nous approcher devant vous, nous remercier de tout bien faire pour vous, pour tout ça qu'ils ont fait et ça va continuer à faire. Et puis, Seigneur, que nous approcher ensemble avec chaque monde qui t'a quitté, qui t'a venu là, dans le moment ça. Demandez au Seigneur capable avec vous dans le moment ça. Et moi, je vous remercie, Seigneur, pour les dirigeants qui ont commencé ce service-là. Et dans mon sens, Seigneur, que je suis capable de continuer à utiliser, que je suis capable de saisir le cœur, saisir l'esprit, saisir la pensée, que tout ça qu'il pourra faire là, pour ne pas faire selon lui-même, et comme ça, au même, on ne peut pas prendre dans tout ça qu'il a fait là. Que je suis Seigneur, chaque monde qui est venu là, que je suis Seigneur, que je suis même que un monde qui est venu là avec une tristesse, qui est venu avec un chagrin. Que moment ça qu'elle vient passer là pour la caler avec une joie. Si t'es un bagage qu'elle t'a perdu, c'est pour le joindre dans moment ça. Si t'es perdu, grâce lui, c'est pour le retrouver dans moment adoration, dans moment conférence là qui va serviteur qui va le parler et pour chaque monde qui là pour capable joindre un bagage. Et dans moment ça là, on marre toute vieille force infernale, tout ça qui va boucher oreilles monde, qui va empêcher monde adorer, qui va empêcher monde entendre la parole de Dieu. Que qu'on y a même que non dit qu'on y a sans effet n'importe côté au ta camper n'importe côté au ta interpeller qu'on y a que non déclare qu'on y a au nom puissant de Jésus que non déclare que sans effet que non marre toutes les forces infernales non mettez en bas corde non marre toutes les forces qui qu'on empêche adoration parce que non marre qu'on y a non mettez tout net en bas corde que qu'on y a mal que chaque monde qui l'aura pas ouvrir l'esprit yo que chaque monde qui l'a que les oreilles te bouchées c'est mal qu'on y a l'aura pas ouvrir les oreilles. Et dans le moment d'adoration qui va passer là, vous va chanter pour chanter et comme ça adoration capable passer dans un autre niveau. Que chaque monde qui est là capable d'aller la caillou. Pour un moment ça marque, pour un moment ça marque inoubliable dans la vie. Que chaque monde qui a été invité là, vous dites moi si je veux. Que vous connaissez Edmia lui-même, ni pas prêté pour ne pas faire travail. Que vous êtes capable de mettre découragement dans la caille. Que vous n'avez pas fait ton parien. Que vous n'avez même toutes les forces qui travaillent contre pareil ça. Que vous n'avez même notre mari au Kounia. Que vous n'avez pas déclaré que vous sans effet. Que vous n'avez pas tout le monde qui a bouffé, qui a volonté. Que vous n'avez pas eu santé. Et dans le jour, ça pousse tout le monde qui déjoint comme ça dans la main. Et pour moi, tout le monde qui réunit là. Que vous êtes capable de toucher le cœur. Que ça qui marre, que ça qui enchaîne. Que vous n'avez pas eu si pour vous monter, si pour vous descendre. Que ça chaque lettre qui toujours dit, je vais faire ça. Même à bien temps, que malo kounia même non, joue ça, que malo capable saisir que yo, que malo commence à faire travail là depuis kounia, et kounia le au vini, même que pour depuis servir à vini, depuis qu'il t'en parle seulement pour qu'il t'en reste, joue ça, même qu'il te joue pas yo, que malo capable faire nous ça spécial pour chaque monde qui joue une carte ça qui vini, que malo capable faire joue ça spécial pour yo, tant pis Seigneur, parce que je connais pas grand rien qui est possible pour, je connais pas rien qui est impossible envers vous-même, je connais tout ça qui est possible avec nous, on est tout net qui est possible envers. Que qu'on y a même Seigneur, nous commençons à faire travail là, même qu'on est même qui est capable
continuer, qui a fini le travail là pour nous. Et ça fait un moment ça, m'a dû passer dans le quartier, entre la caille, toucher cœur, toucher chaque monde. Ça qui dit au pape fini, que m'a dû mettre encouragement la caille, que jour ça passe en merveille, que jour ça passe inoubliable, que monde ça, monde pas de penser, que m'a dû capable faire non, jour ça qui vient pour le venir. Que m'a dû pour même Seigneur, me lever cœur à l'oration, non, mais, qu'a passé moment ça, que m'a dû chaque monde qui n'a mis comment m'a capable utiliser voix, donc capable utiliser dans moment ça pour sentir à chanter, pas chanter pour chanter, mais pour sentir à vivre la gloire, à vivre présence dans moment ça que n'a passé là. Tant pour Seigneur que nous allons compter sur. C'est prière que nous adressons avec vous dans le nom de Jésus-Christ, précieux qui vivent, qui régnent pour tout le temps et pour l'éternité. Amen. Nous disons ensemble, béni soit éternel. Peuple sauvé a dit la veine, béni soit éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sentons nos contacts sur ya et c'est un bon plaisir pour nous si nous sommes capables de voir avant toute bagaille, amis visiteurs qui visitent nous à Soya. Si nous avons visité nous à Soya, nous avons été capables de faire un petit camping, nous sommes bien contents pour nous voir. Nous gagnons toujours. L'assemblée sont seuls là, ça l'église a dit pour ça. Seul pour la caillou, fait que vous êtes content et pour la caillou capable de jouer avec nous sans qu'elle soit bon Dieu béni. Merci vous capable de chuter. Gloire à Jésus. Je demande avec quoi pour vous capable d'avancer pour venir ramasser offrande assemblée. Pendant que nous avons chanté dans 18 créoles, chant d'espérance, Jésus m'a aimé, c'est vous qui sauveur. Amour, femme, quitter, plaisir, péché, moi. Rédempteur, béni, moi, c'est vous qui sauveur. Quase, eu dava você um pouquinho na maçã do banho. Yeah.
Oh,
Mieux, bon Dieu béni nous. Amen. Bon Dieu béni nous. Amen. Est-ce que vous content le fait que vous là, soyez? Amen. Oui, c'est toujours comme ça. À chaque fois, nous, dans la présence de Dieu, nous lui sentis nous contents. Parce que le Seigneur a une capacité dans sa présence pour sentir douleur disparaître, pour sentir problème yo aller. Assoyez encore, mes chers frères et sœurs, nous avons un heureux privilège pour nous présenter notre conférencier qui est pasteur Samuel Fleuristin. Nous demandons, on va applaudir l'Esprit du Seigneur qui va utiliser cette là encore à soir pour que l'Église soit capable d'édifier. Bonne audition. Bon Dieu bénisse vous. Dieu bénit l'église là. Encore une fois, nous bénissons nos seigneurs qui ont un privilège pour nous capables avec nous encore dans la troisième soirée et qui va pour nous, dernière soirée de la semaine. Nous sommes contents de nous avec nous
pendant trois soirées ça y est. Et moi crois on a des retours demain du volant. On a des activités pour nous planifier parce que nous même tout demain dimanche là on a gagné une semaine de croisade qui doit commencer dans la ville de Naïve. Moi t'ai coupé petit cal dans temps que me t'ai préparé pour me venir ici là parce que demande là pas trop longue, c'était 3 jours. Je t'ai sacrifié 3 jours là. Mais c'est demande là t'es plus. Je n'ai pas fini. Je me dis bon Dieu merci parce qu'elle t'a voulu là, c'est ça me comprend. Parce que la demande là c'était 3 jours je demandé et si je demande plus, je n'ai pas répondu. C'est ça que fait. Ben, bon Dieu gloire. Et également, délégation a augmenté. Il y a un quatrième monde qui a ajouté. La délégation, c'est un petit garçon. C'est le premier garçon. Lui-même, il a un problème dans les oreilles. Qui, pendant des jours qui se passaient là, c'était vraiment des difficultés atroces pour lui. Donc, il a été venu à l'hôpital avec elle, dans un rendez-vous. Et nous avons profité pour nous tout fait le venir aujourd'hui hein, pour nous être capable d'aller rendez-vous avec elle. Normalement, nous avons un examen pour nous faire pour lui. Nous n'avons pas joué un examen. Hein. C'est demain matin où nous avons fait l'examen. Hein. C'est ça qui fait le paquet. Nous avons tourné Gonaïve pour nous aller à l'école demain matin. Nous avons obligé d'arrêter pour nous faire l'examen. Hein. Après, nous n'avons pas parti. Priez pour lui, pour que le Seigneur fasse grâce. Parce que c'est. Il y a un problème qui dure en ville. Qui a commencé à disparaître, mais qui font retour dans une période très difficile. Mais nous croyons bon Dieu qui contrôle tout le bagage, il a vrai fait, ça le défaire. Nous comptons sur aide prière, non. Seigneur, nous remercions à soi, pour nous partager parole. Et de nous toucher chaque grain de cœur qu'il a. Et quel que soit le cœur qui te gagne en bas contrôle Satan et le diable. Et ces démons nous libérer pendant la parler là. Seigneur, nous relâcher en puissance. La puissance du Saint-Esprit, la puissance du feu. Pour parcourir toute assemblée à Kounia. Et nous prenons autorité sur tout démon. Sur toute force invisible qui a vu nuit monde faire la chita. Fait l'esprit au parti. Il n'y a pas d'attendre l'enseignement. Ou bien, prends compréhension, vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis là. Nous marrons toute force ça, et nous déclarons la vie dans l'assemblée. Seigneur, t'as pris. Que Saint-Esprit touche chaque grain de monde qui est là. Et permettre de gagner même occasion, même privilège là. Pour comprendre et soyez satisfait. En ton nom, Jésus, nous prions. Amen. À ce moment-là, nous faisons un long parcours. Parce que c'est la dernière soirée, non? Quand pile bagaille, nous avons dit ce sujet, nous n'avons pas de temps. Nous avons un petit embryon, malgré c'est long, non, mais nous avons un embryon quand même. Parce que ma bonne bagaille, trop grosso modo, m'obliger quand même que l'esprit, bon Dieu, lui éclairé en tête, non? Sans pas comprendre que l'esprit, bon Dieu, faut comprendre. Parce que quand pile bagaille, nous devons connaître, nous avons fait route là, bon Dieu. Et nous connaissons, diable n'a pas de cas. Mais nous mal. Il va échouer non pendant la route avec le Seigneur. Parce que la vie, il y a des gens qui ont besoin de connaître pour faire succès là-dedans. Soit faire l'évangile égaré, ou échouer. Tandis que les gens qui marchent à Christ, soit faire l'évangile éclairé, le texte a dit tout ce qu'il fait, lui réussit. Un chrétien qui a fait commerce, pas de échouer. Un chrétien qui est marié, pas de échouer. Un chrétien qui joue une possibilité pour le voyager, pas de échouer. Quel que soit son fait, tout ce qu'il fait, lui réussit. Mais souffrir sans connaissance de Dieu, est bien qu'à échouer. Souffrir en dehors de la volonté de Dieu, est bien capable d'échouer. Mais il n'est pas normal pour un chrétien d'avoir échoué. Parce qu'il n'est pas écrit. Dans le cahier mondial, il n'a pas écrit échec pour nous. Il écrit succès et réussite. Nous avons étudié avec vous la maison de l'Éternel. C'est le thème ça qui était intéressé. Il y a plusieurs éléments dans le thème. Nous avons
Chita, mais nous avons bien chance dans 3 jours. Allons à la maison de l'Éternel. J'y suis dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel. Ça m'a le fait. Pour qui ça m'a la joie de m'aller là? Qui ça m'a bénéficié de là? Qui principale mission à l'accomplir de là? Parce que quand il y a un élément, nous avons touché dans l'aspect ça. Mais nous sommes contentés, non? Pour que nous nous orientons sur la maison de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, qui sa maison de l'Éternel là t'est représentée? Comment elle t'est définie? Dans le Nouveau Testament, comment elle définit la maison de l'Éternel? Et enfin, qui sa bon Dieu attend de nous finir comprendre, mes amis, qui sa bon Dieu attend réellement de nous? Et c'est ça, nous allons essayer de nous faire comprendre à soi. Vous êtes avec moi, dans le jour qui passe, le premier jour là, maison de l'Éternel, c'est un lieu côté bon Dieu fait résider non lui. Maison de l'Éternel, un lieu où Dieu fait résider son nom. Ça veut dire, donc, la maison de l'Éternel, c'est la résidence, c'est la demeure, c'est le domicile des dieux. Maison de l'Éternel, c'est la résidence. Elle dit, qui va elle résider? Qui va l'habiter? Qui va le rester? Qui va le demeurer? Quand elle domicile, dans le mariage, dans tout des mots ça, domicile à tel endroit. C'est-à-dire, quand elle va jouer le monde ça, quand elle business li fait, quand elle principale activité économique liée, côté principale activité qui rentre de l'argent, qui rentre de bénédiction, qui bon lié, c'est ça domicile. Normalement, maison de l'Éternel, c'est la résidence, c'est côté les besoins bon Dieu m'a joindre. C'est caille bon Dieu dans créole. Maison bon Dieu, c'est caille bon Dieu. Mais comment est-ce que vous voulez attirer l'attention nous là-dedans? Tout côté, bon Dieu est caillé, il faut que gloire là-dedans. Si pas d'oxygène, on va mourir. Bon Dieu pas respirer oxygène avec nous, car Dieu est esprit. C'est l'homme physique, les animaux, c'est nous qui besoin d'oxygène. Mais Dieu, il besoin de la gloire. Ça, oxygène pour nous, c'est ça la gloire pour mon Dieu. C'est ça que fait. Si on ne compte pas de gloire, bon Dieu n'est pas là. Si on ne compte pas de gloire, bon Dieu mourir côté. Quel que soit le monde qui n'a pas d'oxygène, va mourir. Mais quel que soit la famille, Dieu va jouer la gloire pour l'habiter dans la famille. Ça. Bon Dieu mourir dans la famille. L'État dit à Moïse, lui ça va faire résider non. Même quand elle a fait des noms là, c'est pas personne qui vient non. Quand elle a fait des noms, elle a fait des noms là, il dit qu'il faut aller gloire. Par conséquent, nous comprenons. Trop de côté bon Dieu dans le ciel là, c'est celle côté qui gagne gloire. Actuellement, depuis qu'elle a créé l'humanité, côté fauteuil là hier, côté bon Dieu lui-même en personne, les chita, les habité là. Son lien qui fait avec la gloire. Je te dis ça, votre femme dit être, c'est les qui vit près de lui, c'est les séraphins. Et les séraphins, ils ont 6 ailes. Parce qu'ils ont trop près de la gloire, parce que c'est eux qui vit près de mon Dieu. En l'air, ils ont plus près de la gloire. Parce que tout ciel est là, la gloire. C'est le trône de mon Dieu qui a la gloire. Il y a plusieurs ciels, mais tout n'a pas de gloire là-dedans. Mais le trône de mon Dieu, démêlé à même la gloire. Et être qui vit près de lui, c'est les séraphins. Il y a 6 ailes, 2 ailes pour boucher le visage, pour ne pas avoir gloire là, parce qu'il n'y a pas de
contempler la gloire qui est sous mon Dieu, pas capable. Malgré aux 16 êtres qui sont dans le ciel, mais vous pas capable de rentrer dans la gloire. Par contre, c'est Séraphin qui a rentré à l'encontre de mon Dieu, vous l'avez dans la main, il n'est pas capable. Parce qu'il y a la gloire. Pas un être qui a bougé dans la gloire, sinon qui est Dieu. Depuis qu'il y a une gloire en côté, seul mon Dieu qui a bougé. Ça fait, si le service a transformé, la gloire de Dieu coulé là-dedans, là, tout le monde a face à terre. Pas grand monde qui a campé. C'est le bon Dieu qui a bougé là. Tout côté de gloire, c'est la maison de l'éternel. Et mais trop de mon Dieu, quand mon Dieu habite dans le ciel là, il a la gloire là-dedans. Lui est très saint qui était dans le tabernacle là, ou bien dans le temple de Salomon, côté bon Dieu te fait résider dans là, lui-même aussi, il était couvert de gloire. Le fait qu'elle était couvert de gloire, l'homme n'a pas de possibilité pour te rentrer là-dedans. Seulement les grands prêtres qui te rentré une fois par année. Et on va comprendre plus devant pour que ça grand prêtre n'a pas rentré. Est-ce que mon n'a pas rentré dans la gloire de Dieu n'a pas ouais ça plus devant. Tout côté bon Dieu te fait résider ni non. Et tout côté bon Dieu lui-même lui habite, il faut le gloire parce que la gloire c'est l'oxygène que bon Dieu respire. Et mais par conséquent, quel que soit lié, même si ce n'est pas accident, on doit descendre sous lié, bon Dieu tout réclamer comme résidence. Quel que soit lié, quel que soit côté non lié, la gloire de Dieu répond là-dedans, côté ça, bon Dieu tout mettre seul sous lié. Il dit c'est gloire parce que la gloire c'est marque fabrique mon Dieu, la gloire c'est caille mon Dieu, la gloire c'est oxygène mon Dieu respirer. Et bien tout côté nous est gloire contre mon Dieu là. Est-ce que l'église là même? Tout lieu couvert de gloire devient automatiquement une résidence de Dieu car seul Dieu peut opérer dans la gloire. Par exemple, quand le tabernacle de Moïse a été couvert de gloire, Moïse ou bien les sacrificateurs ne pouvaient plus bouger. Automatiquement, Moïse a marché dans le tabernacle là, a rangé les ustensiles. Automatiquement, Moïse finit de ranger les ustensiles. La gloire de Dieu descend. Et automatiquement, Moïse n'a pas quand même gardé lui encore. Il n'a pas rentré encore. C'est seul bon Dieu qui a rentré. Exode 40, verset 33. Il y a un pile de versets pour nous construire base enseignement. Exode 14, mes spirituels techniciens, à Bavem, entre temps pendant que vous fini, je lis le premier texte. Exode 14, verset 33. Exode 40. Verset 33. Ok, puisqu'il n'y a aucun abgardé avec moi, ce tableau-là. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas rentrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Automatiquement, Moïse fait sa bon Dieu. Dit là, qu'on nuée qui sont en haut dans le ciel là, les couvrit. Tabernacle là pour dire m'accepter, le m'agrir. Et automatiquement les remplir. Même Moïse pas qu'à mettre point de pied encore. Parce que c'est seul mon Dieu qui a opéré dans la gloire. Les Moïse fin arranger les ustensiles. En plus, le cause que nous dit, il n'y a pas bien tant dit. Mais non, ouais. Maison de l'Éternel. Pas qu'à pas de gloire. Depuis pas de gloire, pas maison de l'Éternel. Est-ce qu'il existe là même? Tout côté aurait les maisons de l'Éternel. Faut liguer qui ça? La gloire. Pour qui ça? Parce que bon Dieu, pas qu'à vivre
sans la gloire. Ça, la gloire, pour mon Dieu, c'est oxygène, bon Dieu, respiré. Lorsque le temple Salomon a été fin construit, pour mon Dieu montrer que le temple est cette maison, il va faire même bagaille là. Il va répandre gloire sur lui. 1 Roi 8, verset 10 et verset 11. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Moïse les construit avec la gloire descend. Maintenant, après Moïse, il y a un bon temps coulé. Salomon, du roi. Salomon va construire le temple. C'est la différence entre deux. Tabernacle est portatif. Il y a porté tabernacle. Parce que tabernacle est dans le désert. Il y a un tabernacle planté dans la terre. Il y a porté. Chaque fois, il y a déplacé. Il y a un et il y a porté. Mais le temple lui-même, il était fait sur terre. Et il était construit. Il n'y a pas de déplacer. C'est celle différence entre temple et tabernacle. Mais il était fait dans le même modèle. Même bagaille. Puisqu'elle était faite dans le même modèle, même bagaille, la gloire de l'Éternel te descend sous lui aussi. Qui sont images pour l'église là? Le temple que Moïse a construit, qui s'est tabernacle là, c'est image l'église de Jésus-Christ dans la chambre avec Pierre, Jean, Jacques, qui va recevoir la Pentecôte, l'onction de l'Esprit. Après, mais si ça au film mourir pendant un bon temps, où est l'église là sans onction, sans gloire, sans puissance? Diable a raté, il bat dans le maltraité, non? Et bien, il y a un deuxième qui peut élever. La gloire tourne encore. Même ça qui était passé sur Moïse là, il était passé sur Salomon. Même ça qui était passé dans l'église primitive là avec Pierre, Jean-Jacques, avant l'église de monter dans le ciel, il a passé à nouveau. Parce que Christ parmi nous cherchons l'église qui va gagner gloire. Une église glorieuse. S'il n'est pas glorieuse, il va parler. Et l'église n'a rien là, son église infime, son église cocobé, son église qui manque mon son. Christ pas fin prendre l'église ça. Avant que Christ vienne, il a restauré l'église là. Et quand pile n'est qui va l'obéger dans le courir, n'est qui gagne en bachet, n'est qui croit pour y servir mon Dieu, pour y faire un petit solo coto, malgré ses affaires bon Dieu avec lui, pour y gagner l'église, pour y gagner l'argent, pour y gagner visa, pour y ceci. Mais en pile n'est qui va le courir, parce que mettre l'église là va lui régler l'église là encore. Bon Dieu, béni. La gloire tourne encore, la finie. Deuxième gloire, deuxième couche de gloire, l'appui de l'arrière saison. Dans l'Ancien Testament, nous voyons la gloire, elle descend, l'homme n'a pas bougé. Maintenant, dans le Nouveau Testament, lorsque la gloire descend, dans le Nouveau Testament également, l'homme n'a pas bougé. Sous montagne de transfiguration, le Seigneur Jésus dit à disciples, enfant nous mourir, que nous avons la gloire venir à l'œil, à des genoux. Et puis, on joue pour l'expérimenter ça, le dédio, les prend Pierre, les Jacques, les prend Jean, et puis il déplace avec la sous-montagne là. Et puis, il arrive la gloire descend sur la montagne là. Luc chapitre 9, verset 28 à 36. Alors, avec moi, non là? Ne pas répondre moi, non? Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, paroles nous fait que ce dit là, 8 jours après le dédio, il y a la gloire venue, il prend. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Environ, avancez, monsieur. Qui apparaissant dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Quoi au vilou? Chez au vilou, parce qu'ils sont dans la gloire, ils n'ont pas qu'à marcher. Appesantis par le sommeil. Mais, s'étant tenu éveillé, je vais te faire mes vrais, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus,
Pierre lui dit, maître, il est bon pour que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, il mieux fait les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'il avait vu. Garde ça qui vit. Jésus dit aux disciples, nous va voir là, nous va voir royaume moi en venir. Il dit, royaume de Jésus-Christ va faire sans gloire. Parce qu'il va habiter côté pas de gloire. Il dit, n'a pas royaume mais en venir dans chez nous avant de mourir. Et puis, 8 jours après, il prend messieurs le monter montalé à le prier. Et puis les messieurs reviennent montant là, la gloire couvrit l'espace-là. Texte en dit, ni Pierre, ni Jean, ni Jacques, la gloire l'a fait. Quand yon loup, j'ai yon loup, t'as comme on dit dormi. Mais yon pas dormi parce que yon été j'ai calé. Mais yon pas qu'à bouger dans la gloire. Mais pendant yon dans la gloire, yon ouè, deux mouns qui paraît Moïse et puis Élie. Les gloires la sorti, messieurs, allez. Laisse à Pierre prendre la parole. Mais l'idée bon pour nous là, la fait trois tickets. Yon pour vous. Yon pour Élie, yon pour Moïse. Mais texte a dit, mais j'ai tellement déballé par contre, ça l'a dit. Elle fait trois tickets. Il déballé. Pourquoi ça l'a déballé? Moun qui kon a étudié le comportement Pierre, Pierre son nèg mwen en pile. Pierre intelligent. Gon mot créole pour ti moun qui effrayé en pile, ti moun qui la sec. Lors de la sec, là c'est jour ou jour elle. Mais on dit ti moun nan chouchou. Et donc, tout le monde qui est en l'air. Quelques amis qui viennent là, la souligne, qui t'embrassent, t'as l'air faire sans mi, ou dit tout le monde en chouchou. Pierre était en chouchou. Quelque chose, ça, Pierre, ouais, la pose une question. Mais cette fois-ci, Pierre, ouais, deux mouns. Connaissant Pierre, Pierre t'a fait éclairer, il t'a mal baillé lui la main. Il t'a mal baillé Moïse la main. Il compte Pierre t'a fait ça. Mais dans la gloire, il va pas bouger. Seul bon Dieu qui a bougé dans la gloire. Et ça qui belle là. Comment Pierre reconnaît c'est Élie? Dans la période Pierre n'a pas de gagner une caméra photo. Pour t'as fait photo Élie, puis t'as fait photo Élie dans la Bible. Pas de caméra pour faire photo Moïse. Comment faire connaître Moïse? Dans la gloire, dans le ciel, dans la présence de Dieu, n'a pas gagné une connaissance qui est parfaite. Connaissance noire totale. La parfaite. C'est ça que ça a montré là. Troisième élément pour me considérer. Il y a deux êtres dans l'Ancien Testament qui paraît. Élie, Moïse. Élie est monté dans le ciel sans pas mourir sur la terre. Mais il paraît dans la gloire. Deuxième être là. Moïse est mouillé en terre. Mais il paraît dans la gloire. Quelle signification ça a pour nous? Royaume mondial. Il va gagner mort là-dedans. Tout c'est vivant. Même si je mourir, je suis enterré, je ne pas mourir vrai, c'est dans mal dormi. Je vais me ressusciter pour me paraître dans la gloire. Et deuxième élément, ce n'est pas tout le monde qui a mouru qui a enterré. Que mon cap tout vivant, les trompettes la sonné. À la manière de lui, il a monté aussi. Ni les morts, ni les vivants ne vont faire seul dans la gloire du Seigneur. C'est deux images qui paraissent là. Les morts et les vivants. Texte a dit, les morts en Christ ressusciteront, premièrement, par Moïse, deuxièmement, par Élie, et les vivants, nous serons transformés, et tous les deux, nous serons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Consolez-vous par ces paroles. C'est ça le dit. Fait qu'elle nous content, parce que nous ne pouvons pas mourir, la paix bon Dieu avant. Si ce qu'on levait, quand on fera pas, les gens mourir, parce que nous ne pouvons pas mourir. Est-ce qu'elle existe là même? Je ne vais pas la tête, je ne vais pas prendre les gens qui ont crié. Pour l'enlever, je ne vais pas prendre les gens. Il faut avoir espérance pour connaître les gens qui ne vont pas mourir. Si c'est chrétien, il s'est séparé avant. Là, il ne va pas mettre. Si le jour n'est pas arrivé, Christ ne va pas quitter l'aller.
Et les l'aléa, c'est dormir dans le dormir. Un jour, nous allons rencontrer avec. Est-ce que l'église l'a fait? Mais ça me le souligne. Ni Pierre, ni Jean, ni Jacques, pas que yon ne yon qui marché dans la gloire. Seul bon Dieu. Et puis lève gloire là, allez. Messieurs, levez à terre. Je dis, t'es bon pour nous là, n'a fait trois tikaïs. Yon pour Jésus, yon pour Élie, yon pour Moïse. Ça veut dire Pierre. Texte a dit, Pierre est garé, par contre, ça l'a dit. Pour que ça, texte a dit ça? Attention, Pierre. Jésus, c'est seul être qui vient sous la terre pour le salut de l'homme. Le salut vient que par Jésus. Sous fait trois cailles. Ça veut dire, pour nous sauver, tu cales la loi, tu cales la grâce. Parce que fait la loi, tu es représenté par Élie et par Moïse. Elle dit, pour nous dans le ciel, la besoin tu cales la loi, plus tu cales la grâce. Ce n'est pas vrai, c'est où? Pour aller dans le ciel, nous avons seulement la grâce en Jésus-Christ. C'est ça que c'est là, l'adventiste tombé. Pour aller dans le ciel, tu cales le sabbat, tu cales Jésus, c'est pas vrai, c'est où? C'est même Jean-Pierre qui fait là, on a fait deux tikaïs. Il y a une boule à loi, il y a une boule à grâce. C'est que le texte a dit, Pierre pas comme ça, l'a dit, bien égaré. Si la loi est quand même un ben Christ, Christ va t'appeler sur la terre encore. Parce que la loi n'est pas capable. Et il remplace. Il te dit, tout est accompli. Zéro la loi. C'est ça que te dit Pierre. Ce n'est pas la loi plus la grâce. Ce n'est pas sabbat plus dimanche. Il y a des gens qui tellement pas comprennent, il y a l'église samedi, pour si c'est samedi, il y bon, et puis il vient dimanche encore, quel que soit le Jésus venu là, il y a bon. Faites attention. C'est seul Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. Seulement, non? Est-ce que l'église a l'air? Amen. Donc, nous concluons avec moi, depuis que toi en côté, c'est celle dont Dieu a marché là-dedans. Celle dont Dieu a opéré là-dedans. Tout côté de gloire, par conséquent, l'homme va caler là-dedans. Eh bien, automatiquement, côté a relé, qui ça? Maison de l'éternel. C'est ça que fait l'église, ça. Les oreilles sont pour lapin, tête tout fait pour mode, et puis mon barado. Automatiquement, la gloire de Dieu est tombée sous, ou un plus beau garçon que dans l'assemblée. Parce que ça qui fait nous belles là, c'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas pile champagne qui met sur nous, pile bijou, pile la l'ange, ce n'est pas qui fait nous belles. D'ailleurs, ça même. Il fait une perte de beauté, bon Dieu. Je ne vais pas bien t'en dire. Il fait une perte de la ressemblance de Dieu. Il a cherché beauté dans le fatras. Il continue de l'autre côté. Même pas bien t'en développer ça, je vais être là. Tout côté qui est maison de l'éternel, qui est précieux pour bon Dieu, Satan t'a remis ses lits là-dedans. On a regardé ça avec moi dans Isaïe 14, verset 12 à 14. Esaïe 14, bon Dieu, font reçu.
pour le montrer ça que t'es dans le cœur Satan. N'est pas laguer la terre. Mais ça le dit. Te voilà tombé du ciel. Qui est-ce qui tombe du ciel là? Astre brillant. Bon, c'était relé Lucifer. Astre brillant. Mais c'était une beauté extraordinaire. En pile, on nous dit où l'aide de miracle Satan? Où faire? Satan va l'aide. Satan l'aide dans l'esprit parce qu'elle descend. Mais la Bible est l'astre en matière de beauté. Si une sirène monte là, pas qu'elle n'est pas tombée pour lui. Si une femme, sirène, esprit dans gloire, s'il monte dans l'église là, pas qu'on beauté sur la tête qui a égalé. Tout garçon a déposé avec elle. C'est que tout côté esprit, ça a l'air, font pile garçon tombé. Vous pensez que vous ne pouvez pas vous son esprit. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Mais ça dit, tu discernes ton cœur, je monterai au ciel, singulier, au ciel, dans le trône de mon Dieu, dans le trône de mon Dieu, côté de gloire, je monterai là, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Ça veut dire, je serai semblable au Très-Haut. Waouh! Même mot, ça a tant besoin. Un, la patronne de Dieu. Deux, l'assemblée avec mon Dieu. Parce que pour le rentrer dans la gloire, il faut sembler à mon Dieu. Quand ça, ça veut dire sembler à mon Dieu. Je ne vais pas interpréter. Et le bon Dieu a créé l'homme, ça le dit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça, ça t'entend en fille. Bon Dieu, pas d'aller, mais pas l'homme. Ça t'entend fait sembler à mon Dieu. Là, le Bible dit, tout est à vous sembler à mon Dieu. Parce que pour le sembler à mon Dieu, la capacité pour respirer la gloire. La beauté glorieuse. Glorieuse de préférence. En beauté glorieuse. Avec cette beauté, malgré Satan, Lucifer, mon Dieu, t'es un astre brillant. En beauté incomparable, inégalable. Mais dans la gloire, beauté là, pas de capable devant la gloire. Pour te qui plus belle là, c'est dans la gloire. Ça fait, il se fait convaincre en ton cœur. Il dit, tu disais en ton cœur, je monterai aussi au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles, des séraphins, des archanges. Je parle sous tête, les étoiles de Dieu. Je parle sous tête. Et puis, je vais l'adorer. Bon Dieu, je vais venir serviteur. Et je vais me placer dans la gloire. Je vais sembler avec elle. Je vais venir mon Dieu, ça veut dire. Je vais venir mon Dieu. Et puis, on a la terre. Bon Dieu, fin la guerre Satan à terre. Il vient Satan, Lucifer vient Satan. Et qui ça, bon Dieu, va le faire? Bon Dieu, va venir faire l'homme sous la terre. Et puis, ça, Satan, dans le derrière. Il va être l'homme en premier, là, dans toujours. Là, il fait l'homme. Il fait l'homme sembler avec lui. Ça veut dire l'homme, la construction de l'homme, l'homme une fête avec la gloire de bon Dieu sur lui. L'homme, le bon Dieu by Moïse, l'homme pour le construire tabernacle, c'est une révélation graduelle de l'homme. Tabernacle, il représente l'homme. Tabernacle a eu trois parties. Qui s'est par vie, lui est saint, lui est très saint. L'homme est trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. L'homme créé pour son tabernacle de Dieu. Puisque l'homme créé pour son tabernacle de Dieu, eh bien l'homme pas qu'à parler la gloire, l'homme crie avec la gloire. L'homme qui est sous nous, hein, c'est la gloire de Dieu. Ça fait notre chambre nous tout est mis. Les péchés à venir sur nous, il fait gloire là. Allez.
Même Jean dans Ézéchiel lui dit, moi gloire la sorti dans porte Israël et puis moi la sur montagne. Il quitte ta plan, ta pas gagne gloire sur lui encore. C'est l'image de l'homme que Satan fait tomber dans le péché. Gloire la sorti, mais gloire la gagne pour le retourner encore au nom de Jésus. L'homme décrit avec la gloire de Dieu. L'homme est trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Mais disposé spirituellement, il n'y a pas dit corps avant. Il dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés. Après, c'est la troisième partie aussi, c'est le corps. Et qui côté gloire à la Téchita? Sous le sein des saints, le lieu très saint. Qui côté gloire à la Téchita dans l'homme? Sous le corps de l'homme. Ça veut dire l'esprit, l'âme et le corps. Mais quoi de gloire sous lui? On a regardé avec moi. Qui j'en ai dit était fait. Mais des gloires dans l'homme, gloire à partir. Et Jésus-Christ va lui restaurer la gloire dans l'homme. Et l'homme, tellement créature extraordinaire, l'homme n'a pas perdu à jamais. Satan, malgré sa santé, il est perdu. Christ dit à faire. Mais l'homme péché, Christ vient chercher. Parce que l'homme tellement de valeur, tellement d'importance pour mon Dieu. Mais attention, l'homme n'a pas crié pour n'importe qui bagage, l'homme crié pour une mission spéciale. L'homme crié pour le tabernacle de Dieu. L'homme crié pour le maison de l'éternel. Maison de l'éternel, c'est le lieu côté bon Dieu fait résider lui-même, côté bon Dieu habiter. Eh bien, l'homme crié pour le en maison de l'éternel. Regardez quelques versets bien vite avec moi. Je te dis, on va lire un peu le verset à soi. Dieu fait du corps de l'homme sa maison, sa résidence, son ciel. Bon Dieu fait corps l'homme tourner ciel. C'est pour ça qu'il construit dans la pensée, dans le programme. Mon Dieu. Tout le temps révélé Moïse tabernacle là, c'est dit de dire Moïse, mon ciel sous terre. Même si je mon ciel en l'air, c'est faute moi. Sous terre, mon ciel qui me fait, c'est l'homme. C'est révélé. C'est révélation ça l'a fait Moïse pour Moïse te comprendre. L'homme, son ciel. Et. Même si la vie d'habiter dans le tabernacle avec non, la vie d'habiter dans l'homme. Et c'est pour ça qu'il crie l'homme. On regarde plusieurs versets avec moi. Jean chapitre 17, verset 23 d'abord. Jean 17, verset 23. Ok, pas de problème. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un comme nous sommes. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Question, madame Julia, te posée hier soir. Ça fait l'église avoir puissant parce qu'elle est divisée. Mais objectif là, faut non un. Faut non un. Quand la gloire la vient sur nous, la gloire la rapproche nous. Ça fait fondement de mon Dieu pour la gloire la retourner. Pour l'église la unie. Il dit, je leur ai donné la gloire. Qui est-ce qui va la gloire là? L'église là. Je leur ai donné la gloire. Pour qu'ils s'en baillent l'église là la gloire. Pour qu'on ait un seul. Ça veut dire pour qu'on ait un seul là. Mais ça veut dire pour qu'on ait un seul. Pasteur Luxon, c'est bloc. Pasteur Samuel, c'est ciment. Saint Julien, c'est fer. Et ainsi de suite. Ou c'est de l'eau. Mais c'est sable. Et ensemble, ils mettent tout ensemble, ils font construction. Pour l'homme habiter. Moi, avec vous, nous sommes des matériaux. L'église, lorsque nous faisons celle, nous formons une maison de l'éternel. La gloire de l'éternel a couvert nous. Parce que maison construite, c'est long. Le goût de Dieu. Mais quand nous divisons, par un ton, la pluie a mouillé, mon Dieu. Il va venir. Il va venir. Il va venir avec ça. Que ciment, c'est vrai. Que sable, c'est vrai. Nous mélangeons ensemble. Nous mettons des graves dans le coulé pour toi. Par un ton. Comment on a fait couler? Fait-il? Ou bien faire même si on n'est pas pasteur. En plus, il faut que nous croyons dans ce monde qui est important. L'église, il faut que nous soyons pasteur. Ça fait un pile de monde qu'on a goûté pour être pasteur de l'église. Diviser l'église. Ou pas besoin de pasteur pour former la maison de l'éternel. Il dit, bah, la gloire pour qu'à former la maison
de l'Éternel. Pour qu'à l'église qui construit selon le mot, selon les modèles. Il dit, Père, je n'ai rien donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'il soit un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'il soit parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Qui j'en ai mon affaire connaître ça? Parce qu'il y a la gloire sur eux. Et tout côté que la gloire, c'est Dieu qui a habité. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le Seigneur parle avec l'homme. Il dit, l'homme, c'est qu'on ne va pas connaître ce tabernacle, oui? Nous, c'est maison, nous, c'est caille pour m'habiter. Et le fait que nous, c'est caille, moi, ça passe. Le Saint-Esprit, ça le fait. Il habite dans nous. Est-ce qu'elle existe là même? Maison de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, c'était tabernacle. Dans le Nouveau Testament, maison de l'Éternel, c'est le corps de l'homme. Est-ce qu'elle existe là même? Le corps de l'homme, qui est la maison de l'Éternel. Pasteur, est-ce que mon Dieu qui habite dans l'époque qui corrouillère? Parce qu'on dit, pour mon Dieu habiter, il faut que la gloire en aller. Et bien vrai. 1 Corinthiens 6, verset 17 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Ça le dit. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Les gens qui ont un corps, ils ont un corps, ils ont fait ça. Comme c'est corps, ils ont ça, quoi, vous voyez? Comme c'est corps, ils ont fait ça, ils ont. Les gens qui disent ça, sont pas, ils ne connaissent mon Dieu. Personne qui connaît mon Dieu, t'as qu'à dire ça sous col. Et t'as qu'à faire ça, le vle à col. Crois pas pour vous. C'est la maison de l'Éternel. Il dit, n'importe qui qui détruit ta moyen, m'a détruit. Qui t'a parlé, parler, et bien t'as Salomon, et bien t'as Moïse là, c'est corps. Ou pas que tu as détruit ça, il va pour ça fait l'Éternel. Qui ça me dit là? Il dit, glorifiez donc Dieu qui mort dans votre corps. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Je ne sais pas que tu vas développer ça. Le corps de l'homme, non seulement. Lycée, la maison, la résidence, le ciel de Dieu. Parce que tout côté de gloire, il y a le ciel, mon Dieu. Parce que le ciel, c'est côté mon Dieu, seulement habité. Trône, mon Dieu, côté de gloire. Depuis quoi, de gloire, parle de quoi encore de le ciel. Est-ce que l'église l'a fait? Il y a les résidences de Dieu. Mais trône, mon Dieu, maison de l'Éternel, ça veut dire qu'on a fait là-dedans. Que tu as adoré, mon Dieu. Au fil des cultes d'adoration. Des cultes. C'est-à-dire, lui, il n'y a pas seulement pour bon Dieu habiter, mais aussi la donne, bon Dieu, recevoir des hommages, bon Dieu, recevoir des présents, des cadeaux, des cultes, des prières. Bon Dieu, il faudrait que nous venions faire ça dans sa maison. Et bien, c'est ça l'homme. Non seulement l'homme son adorateur, mais l'homme son adoration. Vous va comprendre ça, non? L'engage, ça, qui a peut-être un petit jeu trop haut. L'homme, non seulement son adorateur, l'homme encore, ils sont adoration. Quand Dieu dit, je cherche des vrais adorateurs. Je ne cherche pas ceux qui chantent seulement, mais je cherche ceux qui est aussi une adoration. C'est là que nous trouvons vrais adorateurs. Quand nous soyons adorateurs, et en même temps nous soyons adoration. Ça fait dire, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Qui t'aime font dire avancer, ma dit ça me dit à malheur. Ça nous rend compte, c'est le Saint-Esprit qui habite seulement dans l'homme. Or, Dieu est un Dieu de trois parties. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est comme si les mondes étaient constitués à Benaklal, construisent pour chaque partie. Les continuons en partie pour le Père, en partie pour le Fils, en partie pour le Saint-Esprit. Dans la Trinité, il a parlé du Père avant. Le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Côté les pères,
li habite à ce côté de gloire là. Ah ben dans l'homme, l'homme son maison à trois chambres, même j'ai avec tabernacle là. Col son chambre, n'amni son chambre, l'esprit l'homme c'est en chambre. Ça fait tous les trois qui habitent dans l'homme. On regarde avec moi, toute la Trinité habite dans l'être de l'homme. Jean 14 verset 16 à 23. Jean 14 verset 16 à 23. On va t'écrire. Il va t'écrire. Ah, il te font erreur. Jean 14, bon, je vais chercher dans. Pas non. Dans la bonne lecture, verset 16 avec toi. Et moi, Jésus qui a parlé. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec vous et il sera qui bon en vous. Léon dit il sera. D'ailleurs, il dit demeure. Pour demeurer, il faut à l'intérieur. Demeurer dans Kaïsa, c'est comme si me fait entrer, sortir là-dedans. C'est le Saoudi, demeurer là-dedans. Et puis il ajoute, il dit en. Non seulement la demeurer et il sera en vous. Côté nous, il est là, nous en dedans, en sept là. C'est ça Jésus dit. Il dit le Saint-Esprit, il est venu dans l'homme, dans le corps de l'homme, dans l'homme. Ici, c'est le Saint-Esprit. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas Iscariote, nous dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons et nous ferons notre demeure chez nous. Jésus qui finit cette question à venir maintenant, et puis il dit, ni moi ni papa, ça l'a fait. N'a vini et n'a vini habiter dans où. Elle dit, là où est l'homme, où est la maison de l'Éternel. Je n'ai pas besoin de surmonter la marche chez l'Éternel lorsque je me compte mon Dieu. Bon Dieu déjà habité en dedans. Ça fait côté de campé, je ne parle pas avec elle, l'a délivré. Je ne parle pas avec elle, l'attendre. Même si je suis dans la rue, pendant que je suis dans la rue, je ne bon Dieu en dedans. Pendant que je marche, je ne bon Dieu en dedans. Dans comme je suis le Père. Dans moi, j'ai le Fils. Dans l'Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Elle dit, quand on a mis là son maison de grande importance pour Dieu, ça fait mal fait. T'es pas qu'à toucher. Pour qui ça? Parce qu'elle porte bon Dieu en dedans. Et qui t'aime nous, bagaille qui est belle. Tout taille, bon Dieu, Satan convoite. Ça fait Satan pas bien l'autre côté. Il n'est pas bien dans la mer. Il n'est pas bien dans le pied bois. Il n'est pas bien dans la roche. Pour Satan, qui est dans l'homme. Que vision Satan même, c'est l'homme qui a besoin pour l'habiter dans l'homme. Parce que l'homme est important pour mon Dieu. L'homme c'est ciel, mon Dieu. Même si en l'air, il t'a pas pour le voler mon toi, pour te charrier, mon Dieu. C'est ça qu'il fait dans l'homme tout. Il vole le mon Dieu, charrier, mon Dieu. Et tout côté par mon Dieu, qui ça va. Ah, vous ne comprenez pas. Tout côté par mon Dieu. Tout fuite par mon Dieu. C'est Satan qui même si on dans l'église. Même son caille qui convoite par la vie. Il n'est pas la vie. Automatiquement, Satan fait péché. Il fait mon Dieu, Satan dans gloire sortir. Satan vient prendre place là. Parce qu'il n'a pas trouvé mon Dieu d'être en l'air, pas capable. Mais mon Dieu crée un ciel qui est plus belle. Que ça vient en l'air, c'est l'homme. Bien aimé, l'homme a son mystère. Je ne peux pas développer l'étude ça. L'homme. L'homme, c'est pas la qui est important, mon Dieu. Ciel là-bas, là-bas, là-bas.
C'est que là, l'homme péché, mon Dieu, crie, oui. C'est ça qui est précieux. Le grand monde qui importe pour mourir, ou appeler un consommateur, crier pour que ça, mon Dieu, arrive. Là, l'homme péché, mon Dieu, pas dormi, non. Parce que l'homme, c'est ça qui est précieux, mon Dieu, l'homme. Même j'aurais Satan te convoité ciel là, il convoité l'homme. Ça fait qu'en pile normal que nous l'église Satan vient joindre nous pour le tenter nous. Pour le café nous perdu pied. Qui t'aime dire nous plus loin? L'homme restauré, l'homme qui tourne vers Dieu, colle de gloire. Ça fait Paul dans le dit ça dans Romains 12, le verset 1er. Il dit le corps de l'homme c'est un mystère. Romains 12. Verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte. Qui ça qui sont culte là? Corps. L'aime offrir mon Dieu comme. Vine en adoration pour nous. Waouh, l'examen là. Nous dit dans la maison de Dieu, on adore Dieu. On donne des cultes à Dieu dans la maison de l'Éternel. C'est ça, David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allez faire qui ça, à l'adorer, allez faire qui ça, à le prier, allez faire qui ça, à louer. Allez offrir des cultes à Dieu, les malins, caille mon Dieu. Eh bien, le corps de l'homme, non seulement c'est maison de l'Éternel, mais aussi c'est un culte. Et bien, qui culte? L'homme qui a trois cultes, lui offrir à Dieu. Un culte d'adoration. Culte d'adoration fait par l'Esprit. Ceux qui m'adorent, m'adorent en l'Esprit. Dans l'Esprit, on adore Dieu. Dans l'âme, nous bénissons Dieu. Culte d'adoration, culte de louange. Je bénis mon Dieu, je loue dans l'âme. Ça que David dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Si je ne pas bénir l'Éternel dans la louange, l'Éternel est bénédiction le manque dans le ciel. La sange va rabali, c'est moi qui bali. Comme adorer le sange va faire dans la dimension qui est supérieure. Ça que les bons âmes d'adoration sont sous la terre, même si ouais, l'homme n'en sort pas péché, il convertit, il repentit. Adoration, il brille, parce que l'adoration, c'est un génie avec péché lui-même. Adoration, l'homme sans pareil. Parce que l'homme, c'est être qui est cher, bon Dieu. C'est ciel qui est glorieux. Et troisième culte, l'homme qui a offert à Dieu, c'est le culte de gloire. Et le culte de gloire, il va aller dans le col, dans la maison du Père, dans la chambre du Père. Dans l'homme, la chambre du Père, c'est le corps. La chambre du Fils, c'est l'âme. Et la chambre du Saint-Esprit, c'est l'Esprit. Ça fait l'homme est trois parties. L'homme son mystère. L'homme son maison. Et Jésus-Christ dit le clair. Et c'est pour ça qu'il dit, je leur ai redonné la gloire. Parce que si vous n'avez pas la gloire sur vous, vous ne pouvez pas habiter dans vous. Et l'homme, c'est maison de l'Éternel. L'Église, le véritable édifice construit de la main du Christ. Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. David dit, m'da au fond temps. M'da au fond en maison. Mais on va habiter dans la maison qui fait avec mais les hommes. S'il va habiter dans la maison qui fait avec mais les hommes. Mais il habite dans la maison qui fait avec mes pales. Or, qui maison qui fait avec mon Dieu? Si elle l'a pas fait avec mes mon Dieu, il fait avec parole, mon Dieu. Il dit c'est pour si elle l'a, paraît. Si elle l'a, paraît. Mais maison le fait avec mes là, c'est l'homme. Ça fait que l'homme est un édifice, une construction extraordinaire. Éphésiens chapitre 2, verset 20 à 22. Vous avez été édifiés, vous avez été construits sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, comme a fait Moïse. Lorsque Moïse fut coordonné tous les ustensiles, la gloire est tombée. En lui, tout l'édifice, bien coordonné,
s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être quoi? Une habitation de Dieu en esprit. Ouais, tout le chemin passé pour te montrer que édifice, maison de Dieu, hein, côté bon Dieu, lui demeurer, côté bon Dieu, lui habiter, qui c'est maison de l'Éternel, eh bien, mais ça le dit, il dit l'homme, lui son édifice. Il dit que l'homme, son édifice, qui bien construit par la parole, vous avez été édifié sur le fondement des apôtres. Lorsque la parole de Dieu les construit, vous venez un édifice qui est gloire à Dieu parce que vous venez une habitation de. Pour ça que habitation de Dieu. Parce que vous avez gloire. C'est que Jésus-Christ dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc, mes frères, tant que nous sommes en maison de l'Éternel, nous ne pouvons pas posséder des démons. En plus, fois, entendre que mon gars dit, est-elle ces chrétiens, il tombe avec des démons, non? Des fois, des démons encore au monde. Bon Dieu, voilà. Parce que depuis qu'on a une gloire, gloire, c'est du fait pour diable. Satan n'a pas une nature, bon Dieu, pas semblable, bon Dieu, pas habiter côté de gloire. Des fois, elle rentre, chrétien a dit non, je ne sais pas ce qui s'est passé, je toujours senti la présence de bon Dieu, toujours dans la vie, même moi, je suis tombé. Non, 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 ou t'es chuté. Ou chuté, ou bien on va te jeter convertir l'église de devine. Pas même faire border, parler français, je suis chrétien et pourtant. Non, 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 dis-moi à l'argent lié. Nous sommes mondains, nous sommes parrains qui besoin de Jésus. De vous qui gloire, gloire c'est du fait. Et de vous qui gloire, même Moïse n'a pas rentré, voir pour Satan. Il n'a pas rentré. Ça que pour Satan rentrer dans la vie au monde, c'est péché le faux péché. C'est péché qui fait gloire, mon Dieu, sorti sous vous. Et c'est les gloires sorties. Démon à 40. Mais pas que démon. D'ailleurs, au chrétien, il a chassé des démons. Il paraît. Il dit, mais tu fais. Présence chrétienne, oui. Il dit, mais tu fais ma boule. Présence chrétienne. Nous croisons une jeune fille. Une jeune fille qui a un an, peut-être 19, 20 ans. Et puis nous croisons avec elle. Ils ont prié pour lui. Il a accepté Jésus. Il dit, accepté Jésus, ils ont prié pour lui. Et puis nous avons fini. La parole du pasteur. Et puis nous avons fini. En dedans. Et puis, il a envie de me mettre à tête. Et puis, il dit, pasteur, je ne vais pas pleurer, pasteur, ça. Pasteur, dit, pourquoi ça va pleurer, pasteur? Il dit, pasteur, ça, tout gel, c'est différent. Tout col, c'est différent. Mais quand même, ça fait ça. Ils sont agents de Satan qui ont attaqué. Les croisades, c'est différent devant nous. Malgré le fait prier pour lui, pour l'accepter Jésus, brûler devant nous. Pasteur, dit, mais, dame, sortie dans mademoiselle, là, malgré l'accepter Jésus, il dit, il dit, ah ouais, viens foutre par la belle. Et il m'a dit, salut mademoiselle. Et puis il m'a dit, je ne vais pas te laver la main. Il dit, pour qui ça? Il dit, tout corps c'est différent. Il dit, même là, il fait prier pour lui, mais pourquoi on monte? Parce que l'aile qu'on monte, pas quoi différent sur moi encore. C'est des mots dans l'IA qui ouais différent. Des mots pas allongé même parce qu'elle a boulé. Bon, si des mots on est loin, il ouais différent. Comment le caractère dans différent fou? Et pas seulement qui est différent, non, tout le monde qui connaît Jésus, qui connaît Jésus, qui est différent. Donc. Démon pas qu'à posséder. Impossible. Impossible. Ou c'est maison de l'Éternel. Quand est-ce que gloire? Qui est-ce qui habite la donne? Si comme une gloire, c'est seulement Dieu qui habite la donne. Mais en plus, il faut faire un peu de fait bon Dieu, pas habiter là-dedans. Parce que sa bonté, bon Dieu, et pas faire un peu de souillon. C'est la gloire de Dieu. Vous avez été édifié par la parole, sur le fondement des apôtres. Connais bon Dieu, connais sa parole. La fête de où? Yon édifice. La fête de où? Yon tensé. La fête de où? Yon maison d'habitation. Et l'aime sous la terre, j'ai passé loin. Pour qui ça? Et va n'importe qui là, son mystère là, c'est la maison de l'Éternel qui est là. Moi, c'est maison de l'Éternel. C'est comme dit l'homme, son mystère. Il s'est adorateur. Il s'est adoration. Et ça donne là. Il semble à bon Dieu. Ça, Satan te dit. Ça, Lucifer te dit.
Je serai semblable au diable. S'il n'est pas semblable à mon Dieu, il n'est pas habité dans la gloire. Malgré lui, il est fait pour toi, mon Dieu. Mais il n'est pas rentrer là-dedans. Parce qu'il n'est pas créé avec ressemblance de Dieu. Créer à ressemblance de Dieu, c'est avoir la couverture de gloire. Avoir la beauté inexprimable, incomparable, extraordinaire. Chaque fois, on cherche fatigue à mettre sous vous. Parce qu'on va avoir une beauté ça. L'homme dépourvu de cette beauté. Mais je nous avons une beauté ça. Parole qui est dans nous fait dire fatigue à ça, on n'a pas besoin. Et l'homme qui a une ressemblance, bon Dieu, c'est ça le témoin des gens à comprendre. L'église a une ressemblance, bon Dieu. Le fait qu'elle a une ressemblance, bon Dieu, je vais l'habiter même contact, bon Dieu. La ressemblance de Dieu, c'est la couverture de la gloire qui donne possibilité pour me marcher dans la gloire. C'est ça que fait le sacrificateur à gloire pour l'entrée. Une fois par an, qui c'était une image que l'église là, qui lui-même tout, c'est la gloire de Dieu, c'est la maison de la gloire, mais aussi, lui c'est ressemblance, bon Dieu, la gloire de Dieu. Le fait qu'elle semble à bon Dieu, qu'elle marche, quand bon Dieu a marché, est-ce que l'église a fait? Hein? Le fait qu'elle semble à bon Dieu, qu'elle marche, côté bon Dieu, qu'elle marche. Si bon Dieu a respiré la gloire, moi-même tout, qu'elle a respiré la gloire, je ne vais pas mourir. Si bon Dieu a marché dans la gloire, qu'elle a marché dans la gloire, je ne vais pas mourir. Les Maurice dit, bon Dieu, m'a envie, il dit, sous moi, je vais mourir. Parce que l'Ancien Testament n'a pas fait pour que gloire, mon Dieu, sous gloire, c'est sous gloire d'hérité. Gloire, c'est sous ta belle altérité. Gloire va sous l'homme. Mais dans le Nouveau Testament, il y a un mon Dieu. T'as qu'à dire, Moïse, ou qu'à oui, mais mon quoi de côté, mon trou de côté, non, il y a un cabinet. Le Moïse, il y a un roche qui est trois. Ça, quoi, pas dit. Côté percé de Jésus-Christ à la croix. Moïse, quand même, dans côté percé. Côté percé, à faire semblable à Jésus, il y a marché dans la gloire. Ça, Moïse, va te faire, Moïse, va te faire, mon Dieu, t'as mourir. Mais mon Dieu, mon Dieu, m'a mourir. Non seulement, mon Dieu, mais mon Dieu, habite dedans. Parce que moi-même, qui a porté la gloire, nous semblait à. Semblable mon Dieu. Satan t'a dit, je serai semblable au terreau. M'a élevé trop loin, piro et toi lio. Parce que m'a semblé avec. Et puis on ne pas l'acheter là-bas. Parce qu'on ne peut pas être fait pour la gloire. On ne peut pas qu'à rentrer dans la gloire. M'a dit, Jésus-Christ, au commencement, il n'est pas Jésus-Christ, il était Christ. Il était Christ seulement, qui était la parole, qui c'est Dieu. L'elle vient faite sous la terre, il vient Jésus-Christ. Il vient homme, Dieu. Il y a un corps qu'elle portait mon Dieu en donne. Au commencement, pas comme ça. Et Jésus-Christ a fait, comme étant le souverain sacrificateur, sacrificateur à la seule fois, lui-même tout va rentrer devant le trône de son Père avec ce corps de l'homme qui va être marcher dans la gloire. Parce que Pierre va marcher dans la gloire, Jean va marcher dans la gloire. Mais Jésus va marcher dans la gloire avec ce corps glorieux. L'elle ressuscité, il prend colonne. Et puis il monte avec la sous-trône papale qui sont figures. Lorsque l'église l'a ressuscité avec colonne, il prend aussi dans la gloire. Si chérubin n'a pas qu'à vivre dans la gloire, il n'a pas même qu'à rentrer dans la gloire, il est obligé de boucher les yeux, malgré ma chambre péché. Mais l'église là, madame Jésus-Christ, qui a semblé à Jésus-Christ, qui est même nature Jésus-Christ, qui était créé à la nature de Jésus-Christ, ça fait les Jésus-Christ qui va rentrer dans l'air. Chérubin, il a envie de camper avec épée dans la main, il a tout pas besoin de dire porte, élevez-vous les taux, que le roi des gloires fasse son appel. Je gloire même avec ton nom. Moi-même, je suis rentré à mes gloires sous comme. Quand ça a mis son corps de gloire. Même si je suis rentré à mes gloires sous moi-même, comme beauté, je suis gloire sous lui. Et bientôt, l'église me va venir. Laisse-la dans ma rentrée, chérie, je vais me barrer le tout. Je vais répéter à la manière de Jésus. Porte, élevez vos lettres. Pour qui ça? Que la reine des gloires, fasse son entrée. Qui est cette reine des gloires? M'a dit, l'église n'a quitté puissant dans les combats sous la terre. Voilà la reine. Gloire, et Jésus qui va dire, il dit papa, pas seulement va la gloire, mais demandez pour venir habiter dans le même côté avec papa la gloire, parce qu'il semble à même, il pas être sur la terre, il va habiter dans le même côté, côté Séraphin va rentrer, côté Lucifer va rentrer, l'église n'a pas rentré là, pour finir le dernier texte là, c'est Jean 17, verset 24. Jean 17, verset 24, Père, je veux. Que là où je suis, dans le trône, dans la gloire, là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi.
afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je voulais côté Mia, c'est là pour l'église d'Alchita. Côté Séraphin, je ne vais pas rentrer. Côté Akran, je ne vais pas rentrer. Moi-même, fauteuil, moi là. Tout ça, parce que je m'étais créé à ressemblance. Le fait que je me ressemble à mon Dieu, je n'ai pas possibilité pour respirer la gloire. L'aime de la gloire, je ne vais pas mourir. J'ai une capacité parce que ma côté Marie, Jésus-Christ, l'époux de l'église. Mes frères et sœurs, ça fait que plus fort, il dit non, si ce pas fait ça, nous la connons. Si ce pas livrer le naturel, si ce pas livrer le fornication, nous ne pouvons pas nous faire dans le monde. Nous ne pouvons pas nous faire dire bon Dieu, pas besoin de quoi. Son erreur, son bêtise, nous disons bon Dieu, pas besoin de quoi. Quand l'homme pas prêt dans non. Quand l'homme tellement important, il est dans le ciel de lui. Il n'est pas prêt dans la terre. Quand l'homme qui est chrétien, pas prêt dans la terre. Même quand l'homme qui est mort, pas prêt dans la terre, il va aller dans l'enfer. Mais si je peux répéter des bêtises, bon Dieu va baiser le corps, bon Dieu va garder dans le corps, c'est dans lequel je vais garder. Non, 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 non. Corps, c'est pas plus important, bon Dieu. Il s'est édifice, bon Dieu. Il s'est maison, bon Dieu. Désormais, je ne suis pas content pour la caille, bon Dieu. Je ne suis pas content, moi, c'est. Vous avez dit phrase ça? Moi, content, moi, c'est. Aïe, aïe, aïe. Comment vous avez dit phrase ça? Moi content, moi c'est caille, bon Dieu. Moi porté bon Dieu en dedans. On cherche bon Dieu, viens dans vous après bon Dieu. Ouvrez moi bon Dieu, garde jamais vivre dans l'évangile. Ouais bon Dieu dans moi. Moi c'est porteur de Jésus-Christ. Moi c'est porteur du Saint-Esprit. Moi c'est porteur de Dieu dans la vie. Ça fait pas besoin de faire ça la vie côté. Pas besoin de faire menace de la terre. Bon Dieu qui contrôle toute bagaille. Même balma on pas capable. Même kidnapper pas kidnapper aussi bon Dieu pas planifier. Même si on est au fin là, on disparaît devant au sang pas rien de quoi pour ça. Parce qu'on que dans l'église, nous pas petit mis sans garde. Attendez, appréciez mon Dieu. Na ouais ça bon Dieu. Fa! Nous péchons. Lucifer, astre brillant, yon beauté inégalable. Il péchait, bon Dieu dit ça fait l'enfer. Mais l'homme péché, bon Dieu, j'ai descendu la terre, il mourit. Bon Dieu, il peut que l'homme mourit. C'est comme si Satan c'est 5 gouttes. Depuis l'église là, il y a 5 gouttes, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je matin. Qui est volé, qui est gang, qui est 5 lettres, soit fait. Ou à finir 5 gouttes là. Mais si vous avez 10 000 dollars américains qui sont dans la valise, ils sont tombés. Hein? Vous avez les maris, vous avez les familles, vous avez les amis. Mes amis, vous avez 10 000 dollars américains qui sont dans la valise, ils sont tombés. Vous avez les amis, vous avez tout dans la même. Ils mettent une heure du matin. Mais Satan, c'est 5 gouttes qui perdent, bon Dieu va t'occuper. Le chrétien, c'est 20 000 dollars américains qui perdent. Bon Dieu, obligé de venir chercher. Ou gen pile valeur, ou gen importance. Si ce pas tout pas gen valeur, si ce pas nous pensons ces petits misagados, si ce pas nous pensons moun ka kidnappé ou l'en flé le pito, si ce pas nous pensons bal ka tout yo, même si gen sécurité a tiré de yo, gen nous la bal a chapran. Pour ça, c'est pas tout moun a quitté bal bran, nan calendrier monte nan destiné ou, ou tellement gen valeur fort, le pas bravajou. C'est qui nous va piller ou gen importance pour mon Dieu. Quittez la foule dans mes bon Dieu. Où sont édifice? Où sont maison de l'éternel? On a suspendu, je suis content d'aller au dimanche aller. Ça m'a dit qu'on y a. Je suis content. Moi, c'est Kai, mon Dieu. Dis-moi qui est là. Est-ce que c'est Kai, mon Dieu? C'est important. Moi, content. Moi, c'est. Quel est ce gars venu? Gloire à Jésus. Nous voulons quand même prendre deux questions. Nous allons les abraler. Mais nous connaissons que nous ne quitter pas ce Samuel aller comme ça. Si vous avez un monde qui a une question, nous allons prendre deux questions. Pasteur Toussaint, première question. Ok. Pasteur Gardi, deuxième question. Donc nous passons, c'est fini. Bonsoir tout le monde. Bon Dieu bénis nous. Bonsoir Pasteur Samuel, c'est l'autre occasion de venir encore pour nous rencontrer dans une série de programmes ça avec Cœur de Louange. Et nous disons Dieu merci pour l'esprit que le mettez en dedans pour utiliser dans le niveau ça. Moi j'ai deux questions. Première question, j'ai deux volets. Je vais poser une après l'autre. J'espère que vous allez attention pour t'en dire.
lit cap fait, ta première question, mon voleur, lit cap fait pour tout monde vienne pasteur, tout monde ami pasteur. Est-ce que c'est pas réaction pasteur dans Jean dirigé comme leader qui cause lit là? Lit cap fait pour tout monde en vie pasteur. Est-ce que c'est pas réaction pasteur dans forme leadership yo qui cause tout le monde penser c'est pasteur pour yo? Deuxième volet la question c'est si c'est pas ta ça d'après où ça vous pensez? Si c'est pas ta ça d'après où ça vous pensez? Deuxième question c'est pour nous venir youn j'ai expliqué nous là est-ce que question don Bible a parlé pas d'importance pour ça arriver. Pour nous venir, est-ce que question dont Bible a parlé a pas d'importance pour ça arriver? Merci. Merci. J'espère que bon Dieu a bonne sagesse, ça ne va pas répondre. On ne va pas être gros nèg là, hein? Pasteur Nixon, Pasteur Etienne, si fidèle au collègue, nous confidèle au passé, n'aide pas. Bon Dieu bénis là. Moi, je crois que c'est parce que l'église là handicapée. Qui fait aujourd'hui, tout le monde sait pasteur ouais, comme une étoile. Mais normalement, deuxième question, déjà tout rentré dans la première question. Hein? Si l'église là est dirigée par le collège, par les cinq personnages importants, les cinq dons de ministère, tu as bien dit ça. Mais même si l'église là, pendant un temps, la gloire la saute sous le parce que Libali en deux thèmes. La gloire de Moïse qui était descendue sur le tabernacle de Moïse. Qui c'est la gloire qui était descendue sur l'église primitive. Qui était fait l'église avec tout don spirituel. Mais pendant un temps, après, Ézéchiel dit gloire la saute sur l'église là, sur la montagne. Là. Pendant un temps, gloire la disparaît, pas pour elle. Mais il dit avant Christ tourner, gloire la retourner. C'est-à-dire qu'on deuxième Pentecôte qui prend le fait. Et dans la deuxième Pentecôte là, les dons spirituels vont restaurer. L'église va suspendre Kokobé, le monde va suspendre seulement pasteur. Et l'église va l'administrer par les dons spirituels. Même si nèg fait théologie ou pas, la restaurer quand même. Parce que ça va faire les hommes. Ce n'est pas la conception des hommes qui ont développé dans l'église là, mais ça fait bon Dieu qui a développé. C'est vrai qu'il y a plein de monde qui ne peut pas annoncer des dons spirituels, mais pas quoi pas faire monter par une histoire. Ça qui arrive pour l'église locale, qui va arriver là-dedans. Parce qu'elle a gardé à travers les sept églises d'Apocalypse. Ça qui arrive pour l'église locale, parce qu'il y a tellement souverain sur lui, bon Dieu, mais pasteur a passé. Il a quitté l'église à Kokobé. Mais toute l'église côté pasteur, il est d'accord pour monter diriger, il y a une histoire. Et il n'est pas seulement dans l'église là, c'est le bagage que je voulais ajouter. Annonce, on l'église locale pas obligé de tout don. Parce que l'église locale n'a pas l'image réelle de l'église. Comment on ne peut pas jamais parler de l'église locale comme maison de l'éternel? Là, bon Dieu, il y a seulement trois mondes. Gonaïve, il y a deux mondes. Port-au-Prince, il y a un monde. Mais il y a tout, elle dit, maison de Dieu en esprit. Il n'y a pas de maison de Dieu physique. Mais c'est pasteur. Il y a un apôtre qui est apôtre Port-au-Prince, apôtre de Dieu. Bon Dieu, prend ni apôtre Port-au-Prince là, ni pasteur Saint-Marc là. Ni évangéliste Gonaïve là qui se moule par lui et puis formez ensemble les familles d'église. Il n'est pas obligé pour l'église à l'église, il faut le grand apôtre sur tête. Toute l'église qui était construite par des apôtres, d'où l'église de Rome. L'église de Rome n'est pas construite par apôtre. C'est apôtre Paul, Palvin, apôtre par l'écriture sous lui. Parce que Paul a l'écrit et puis même Paul n'a jamais l'église à jeune, juste le monde. L'église n'a pas de chambre et apôtre qui domine, mais on te soumet à écrit de Paul comme apôtre. Ça va faire dire que chaque église de Talfa a un apôtre qui domine pour avoir un apôtre là. Et ça qui arrive aussi, ça va faire dire chaque église de Talfa a obligé un prophète en dedans pour l'église. Prophète, t'as qu'un prophète nation, apôtre, t'as qu'un apôtre toute nation. Tout. Ça, c'est une possibilité, mais aussi, il n'est pas possible que dans l'église de Talfa, on va nous laisser un ministère. Si Dieu n'a pas restauré sa vie, on a toujours été dans l'église Kokobéa. Et nèg a toujours voulu pasteur. Mais bah, là, comment ça change? Je dis, après, nèg, c'est pasteur encore, non? C'est prophète, on a besoin. Je dis, prophète, John, donne un coup de John, John a toute sa femme. Quand il y a un pasteur, pas trop bon, encore, on a des prophètes là, oui. Moi, dans l'esprit, mon Dieu, Dieu. Je dis, à pifon, nèg, dans la rue, c'est prophète. Faites attention, nèg.
Nous n'avons pas satisfait parce que nous n'avons pas de connaissance. Merci, Pasteur Guédi. Bonsoir à l'église. Bonsoir, Pasteur. Et moi, béni non mon Dieu à soi, parce que j'ai une chance que je suis là. Et vraiment, je regrette. Et dans deux premiers jours, je suis là. Parce que je me cache pour ça, je regrette en pile, en pile, en pile, en pile. Ah, et bien, ok, je suis venu. Et ça m'a dit, ce n'est pas une question, mais c'est une suggestion m'a fait côté vous m'a regardé dans Esaïe chapitre 3 verset 16 à 26 que une prophétie mesdames qui fait et côté prophète la fait prophétie ça sous femme cap marcher avec corps nu sous femme cap vienne l'église cap profaner culte d'adoration tant pour l'autre vienne l'église avec bouche rouge. L'on a vu l'église avec greffe dans tête tout. L'on a vu l'église avec une série de tenues qui indécent, une série de tenues qui provoquent. Bagay sa yo, yo gen conséquence. Pour aller prophétie en pour pas qu'on se permettre ça parce que Esaïe chapitre 3 verset 16 à 26. L'Éternel dit: parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité en ce jour. Le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les filets et les croissants. Les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les bergipsières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque flétrissant au lieu de beauté, tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil dépouillées et elle s'assiera par terre. Le plus souvent, et les dames, les servantes, ont toujours à venir l'église ou bien des hommes, oui, garçons, ont toujours tendance à venir l'église avec tenue mondaine. Avec une série de radouettes, tout le monde teenager a habillé de façon qui n'est pas bon. Mais l'homme vit dans le culte là comme ça. Et moi, j'ai appris un livre que John MacArthur écrit, qui c'est Le grand appel de Dieu pour la femme. Qui veut dire, lui explique comment prostituée qu'on a habillé, c'est comme ça, ouais, moun qui est tendance à mettre et crayon dans souci yo cap mettre rouge à lèvres cap mettre et tout de coup ou bien bijou qui cher cap mettre tresse dans tête yo ou comprend ça yo profane culte là mes amis moi regrette me battre là toute semaine là ou bien depuis yo même senti béni à soya et ou même cap tande là ou considérer comme un monde qui béni parce que t'as tant de qualité bon enseignement ça yo. Bon Dieu bénit nous l'église, bon Dieu bénit nous pasteur Samuel. Merci beaucoup. Merci madame pour ajout là. Nous avons bien chance pour étudier le corps de l'homme. Qui ça profane le corps de l'homme? Il y a une bagaille qui le diable fait. Il fait nous croire dans l'esprit de nos papels. D'ailleurs, qui sont maîtres d'esclavagistes.
Yo fait nous croire pour nos belles, son monde qui a des cheveux si haut, cheveux lisses, et puis fois cheveux arrivé sur elle pour le belle. Et puis toujours montrer nos images blanc, peau rouge. Puis on dit non, pour belle faut peau rouge, c'est une illusion. Pour belle c'est la gloire pour bien sûr. Et ouais pour une jeune fille, les mettre pas de beauté pour attirer personne. Depuis le spirituel, il y a une présence de tout le garçon qui tombe. Parce que c'est la gloire qui fait mon belle. Avant de venir là le dimanche matin, bon, Dieu était inspiré pour me prêcher l'église. Moi. Les Jézabel qui tuent la cape. Mon livre qui m'appelait, qui c'est les Jézabel. Ils ont africain écrit. Ouais, pour que ça me pèse, je me dis africain. Parce que je dis à un modèle l'église en Haïti, c'est l'église en Afrique. Et l'église en Afrique chargée fatra. Le fait que nous avons fait, nous avons guéri, pour nous même c'est bon Dieu qui descend en personne notre bord. Et son Africain qui dit nos révélations, mais ça bon Dieu bali. Mais il y a un bagage africain qui dit, mais moi-même, bon Dieu, profondeur là pour dire Jézabel, qu'est-ce qu'elle fait? Il fait pas dans une église, nous perdons la ressemblance de Dieu. Nous cherchons beauté, non dans la gloire. Mais dans les ornements. Et ça, madame, m'a dit, ah, ouais, il y a un paquet d'images. Ouais, on dit, vous voulez aller. Ça, c'est le livre-là. Et n'importe qui qui a WhatsApp, qui veut, bon, numéro de téléphone, nous, vous voulez le livre là-bas. Et vous avez l'île. Non seulement, ça, c'est le monde qui a fan dans la bouche, le monde qui a faux ongles, le monde qui met des kitex. Et les montrer dans le paquet allonge. À greffe que nous mettons en tête, non. Les montrer là, ils ont fait photo, ils ont oué esprit Jézabel là dans la photo. A dit, caméra, on a une possibilité pour détecter petit esprit en bas photo. Yo. Et il y a un témoignage, je fais un prêcher message là, dimanche là, une jeune dame qui est l'église là, qui était gagnée à l'ange, qui était tout bagage au lacayo, et puis, il était avancé pour me prier pour lui. Il est tombé avec des mots parce que depuis le bagage, c'est Jézabel qui l'a. C'est esprit, comment il est, la reine des eaux. La reine des eaux, qui est la sirène. C'est surtout esprit ça. T'as compris? Je dis, il y a un petit monde, 15 à 18 ans, il y a un balan tout le jour. Pendant la caille, pendant la classe, il y a un bas de loi. Il y a fait alliance avec des mots. Et il y a un charge dans l'église. C'est mon zayo, c'est demoiselle. En pile. Je chasse en pile déjà. Et là, je me questionne, c'est pas d'alliance qui fait dans l'allonge, dans le kitex, dans le fa, dans le gloss, dans ça, dans mettre sous nous, dans chercher beauté. Parce que nous jetons bon Dieu pour nous choisir, ressembler à Jézabel. Et c'est ça le défait à Cap. Je dis Jézabel, il mangeait onction qui soit à Cap. Et c'est ça que Jézabel a fait. Je dis à la manger onction sur les femmes de Dieu, sur les hommes de Dieu, pour le faire nous sembler avec elle. Les bons qui gardent l'église, pas avoir des serviteurs et des servantes, pas avoir monde qui a gloire, mais avoir des esprits de Jézabel qui dans l'église. Moi, c'est un sujet qui est difficile à accepter parce que nous sommes tellement endoctrinés là-dedans. Et dans ça, il y a l'ange, il y a tout le bagaille. Je demande pour le déporter ou aller, il n'est pas d'accord. Pendant là, madame, je l'ai dans le téléphone. Il dit, Saint tel devine côté, l'hypothèse à l'ange, l'hypothèse qui texte, l'hypothèse faux ongle, l'hypothèse maquette bagaille fini. Et il demande, ça qui passe. Il dit, dans 2000, il y a son paquet d'esprit qui n'a que poisson qui barre. Ils font honte. Et puis il dit, pour qui ça, ou quitter nous? Moi, je viens de vivre un exemple. Et puis, dans 2000, hein, tout ça le fait pour le sauter dans le mitaille. Il n'est pas capable. Et puis il dit, c'est moi-même qui vais paraître dans le domaine. Hein? Et puis il me dit, esprit, il va le passer. Esprit, il dit, non, pas le passer. Et puis il dit, je vais même. Dans le domaine, esprit, je vais prendre son talent. Et dans le matin, il va lever pour tout le bagage. Actuellement, il y a une madame qui est là. Si le bagage est pour lui, il va lever moi-même pour mal. Oui, il est. Ce sont les évangiles qui sont difficiles. Et avant de venir là, il y a pour dire non. Non seulement c'est un homme qui persécute, priez pour moi, à cause de l'évangile m'a prêché. Les maçons loges, ils font complot pour tout.
Le diable fait complot, le diable même, en personne. Vive au bagage. Je dis, hein, bien même tellement étonné. Je fais formation sur le bonheur dans les mariages. J'ai un an de m'a fait étude sur le mariage. Même ça, c'est pour dire quoi c'est pour moi faire. Je fais un programme, une conférence trois jours. Et puis je fais avec une fête, côté couple, je viens chita sur table pour manger ensemble, pour boire ensemble, craquer bien, verre ensemble. Et puis je fais un enseignement pour eux. Esprit a dit comme ça. Il était que plusieurs mariages qui t'ont crasé. Il était presque fini de craser. Je viens gâter ça dans la main. La bataille. Tout le temps, on va quitter le sujet à la bataille. Soit sur Facebook, ou après le sujet ça a traité, les sur Facebook. Il y a plein de sujets qui traitent sur Facebook. Allez taper sur Facebook dans la recherche ministère de la parole. Et vous avez une étude là. Sous lui. Bien aimé, ça qui est étonnant, quand une jeune demoiselle qui va à l'église côté de moi, il vient de se porter sur la parole. Il dit mais ça, loin dormi. Mais ça, esprit, il dit à femme. Il y a pas attaqué. Dans le jeu, ma femme, dans la jeune église là, bien aimé, il y a un monde qui est fou qui vient devant l'église là, à côté de l'église là, joue une bêtise sale, comme si il y a un monde qui doit le corps, il vient de comme là. Tout le monde comme là, on va déplacer. Et puis il y a des bêtises sales. Quand il y a un financier, je vais mettre un monde micro, je vais sortir de là, pour me déplacer. Mais mon premier frère qui est à côté, il dit frère, dans la rue, il est à mieux, on va pas déplacer là. Quand il y a un déplacé, je vais jouer. Et puis à peine paraît, mon monde va déplacer, ok, il y a un monde fou. Et puis à peine paraît lui-même. Je dis, pasteur, c'est où on a besoin même. C'est pour où on vient là. Ça dit, c'est pas pour moi qui est venu jouer vrai. Mais c'est le démon qui a engendré. Et puis il prend deux roches. C'est moi avec qui est venu dans la guerre. Je vais comprendre pour qui ça bien aimé. Lorsque je vais recevoir témoignage. Après enseignement, il y a plusieurs mariages qui t'ont écrasé. Il y a un homme qui dernier démarche à faire, c'est doyen d'avoir joué. Dernier démarche avant de divorcer. Il y a un qui dit pasteur, je ne sais pas si je vais faire petit moi. Parce que je vais mettre en dehors. Les gens qui sont tellement contents, la langue de l'eau, ils ont une patate avec carotte, ils ne passent pas à côté de la carotte. Ils passent à ça. Pour ce faire là, c'est ça qui est là. Ils vont manger au moins. Mariage de restauré. Nous avons plus de 4 personnes. Qui dit mariage est écrasé. Et grand enseignement ça vient reconstruire le mariage. Je finis par comprendre. Pour que ça diable est mauvais comme ça, il vient battre moi. Gros midi pendant l'église. Nous sommes menaces contre l'ennemi. Si nous avons témoigné, bien aimé, nous ne pas comprendre. Si garçon ça m'entend dire que dans les oreilles là, c'est pendant mon 29 jours de jeûne. Pendant mon jeûne, on petit monde l'école l'a frappé dans les oreilles. Et puis les oreilles commencé comme ça. Satan dit, ou geta bouge ni ma bon travail pour faire. Et puis je commence à courir l'hôpital depuis l'air. Plusieurs hôpitaux avec. Nous sommes monde, Satan attaque. Je ne vais pas temps passer l'air fini. On est là que tout le l'autre fois, si vous avez une possibilité de venir ici, mais priez pour moi. On fait ça? Priez pour moi. Nous sommes autres poissons pour coller dans le Satan. Je vais faire sale, je ne vais pas vous même. Je vais coller dans le gorge. Au nom de Jésus. Merci pasteur. Gloire à Jésus. Donc, il te remercie, mon pasteur, avec pasteur Luxon. Absolument dit qu'on a le salem, on a bien investi dans vos répétitions. On a demandé qu'on puisse venir à 4 heures, de façon à ce que vous puissiez tout rester dans ce service-là, pour qu'on a le salem. Venir à 4 heures. Est-ce que pendant toute parole sur le film parler, il n'y a pas de monde? Qui t'a aimé bon Dieu ça, qui t'a aimé Jésus ça, qui t'a aimé entrer en Basel. Si vous avez un monde comme ça, venez. Pendant que vous avez venu, pour le dernier mot, venez. Le Seigneur, vous avez un monde en l'air pour prier à vous. Venez dans un moment ça là. Si le Seigneur n'est pas là pour vous, vous pensez que vous êtes capable de venir et vous avez un monde pour prier à vous. Frère Maxime, bon Dieu, bénis-nous. Nous n'avons pas de mots, ni nous pas d'expression pour nous travailler remerciement avec pasteur Samuel Fleuristin, avec toute l'équipe li, avec toute famille aussi qui t'a préparé 3 jours ça pour nous.
Mais nous pouvons, comme pasteur se dit tout à l'heure, ça a besoin d'un menu. Ce n'est pas l'argent, c'est pas ça. Si nous jouons l'argent là pour nous, mais ça a besoin d'un menu, c'est la prière pour continuer le combat. Ça. Et m'espérer que nous prions pour lui, nous prions pour petit garçon. Nous prions pour toute famille et ministère pour que Jean Sodia, ils sont ce poisson entravé dans la gorge diable, que diable n'a pas qu'à vomir. En nous campant. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice, ô Jésus, quel merveilleux amour. Désormais pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Le cercle, pour qui ça c'est au glas, swear.
développe pas la cœur. Lui développe pas la cœur. Quand il dit où est, ou parce que la gloire de Dieu allait là où. Ou parce que tu perdu revêtement de gloire là. Assoir. C'est pour le venir au nom de Jésus. Si vous voulez la finir, si vous d'accord pour repentir, la gloire de Dieu va venir. L'église a nous la prière. Ou même qui se dit, la gloire de Dieu allait rechercher le Kounia ou qui d'assemblé. Avant qui décaille là, rechercher. Ou même qui se dit, perdu la gloire, ou perdu la présence de Dieu, ou perdu l'onction de Dieu, ou perdu la Shekina. Ou même qui se regarde, ou qu'on se dit, cheveux à secouer, ou qu'on se dit, sans à marcher, mais on ne pas se dit rien, ou prier, on ne pas se dit rien, ou adorer, on ne pas se dit rien, ou donner la parole, rien, on ne pas se dit, à soi, restaurer la gloire, restaurer, oui, restaurer la gloire, restaurer la gloire, restaurer, restaurer. Pour restaurer nous et pour permettre que dans le nom
pour ce vaisseau qui a été utilisé par ce Samuel Floristin. Père de gloire, mandé, il y a un touché spécial pour lui. Qu'on y est là, il y a une onction spéciale pour lui. Dans le nom de lui, Père, mandé, il y a épée en plus. Il y a épée en plus dans mer. Il y a épée flamboyant. Il y a épée filée des bois. Il y a épée pilome. Il y a épée qui pilome. Dans mer, c'est un Dieu de puissant. Et que rive, rive, Gonaïl, que elle t'a poursuivi, Lio. Quelle terrasse au nom de Jésus-Christ. Quelle terrasse dans le nom précieux de Jésus-Christ. Mais nous demandons que fonction doublée, que puissance est doublée, que gloire que bâille doublée. Et lorsque va arriver la caille de mon Dieu, mais que l'église là, remarquez mon bagage qui fait en plus, que société là, et remarquez, et que le monde invisible, pas qu'à camper devant là. Père, nous prions pour ses collaborateurs, ses intercesseurs qui avec lui, mandons toucher spécial pour eux, à souhait, une victoire pour eux, l'impossible, dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous prions pour le petit garçon du pasteur Samuel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mandez un toucher spécial dans les oreilles, mandez. Il y a une couverture spéciale pour lui, il y a une couverture pour lui, il y a une couverture pour madame lui, il y a une clôture pour chaque timonio, Seigneur. Et on va garder comme les traits enflammés du malin, que les traits enflammés du malin, pas qu'arriver sous eux, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour le cœur de louange. Merci pour Frère Hider Omega. Mandez dans le nom de Jésus-Christ que en couverture, que en clôture fait sous lui, madame ni petite lui, Seigneur Dieu du puissant. Et que en clôture fait sous chaque membre de l'adoration, chaque musicien, chaque oh Dieu, leader, chaque pasteur, chaque ouvrier chrétien, clôturez l'église l'ancienne et faire route avec. Non, Père des cieux, c'est la prière adressée devant toi, dans le nom précieux de Jésus-Christ, le puissant vainqueur, le vainqueur de la mort, le vainqueur des démons, le vainqueur du monde, au nom de Jésus-Christ. Amen. À nous crier Alléluia. Levez-moi, on crie Alléluia. Alléluia. On me dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout le bagage. Que l'Éternel nous garde. Que l'Éternel nous protège. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous sécurise. Qu'on y a assez pour la paix, bon Dieu. L'amour Jésus-Christ. Et onction cet esprit, arrêtez sous l'église là, arrêtez dans chaque cœur de sa présence jusqu'au jour de l'éternité. Allez en paix, bon Dieu bénis-nous, bonne soirée dans le Seigneur. Et n'attendons encore demain soir à la gloire de Dieu pour continuer à adorer le Seigneur. Bon Dieu bénis-nous. M'expliquez donc tout ce que vous faites avant d'aller par le pasteur à l'emmène. Par l'ange, bon Dieu t'es voyé, sorti bien loin. Les vignes avant d'aller coller mes mains.